Bien, bonjour à tous, c'est Willy Gemmel et bienvenue, très chers amis, dans un nouvel épisode de Space Engineer. Donc je suis en live, hein, et il y a une petite météorite qui détruit tout au moment où il lance le live. Enfin, au moment où il lance l'épisode. Non, 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 il n'y a pas de météorite, pas dans cette partie tout du moins. Non, faut quand même pas déconner, hein. Bon, un peu de tenue, quoi. Je veux bien m'amuser, ce genre de choses, mais pas à ce point-là, non. Hello. Ah oui, j'oubliais, il fallait que je pourrisse ton épisode. Salut. Quel enculé, non mais j'y crois pas. Oh l'enfoiré. Le passage est clair pour dire « Ah oui, j'oubliais, non, faut que je te le pourrisse. » Bah oui, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Ah, quel enfure, sérieux, quoi. Bon, voilà, maintenant que mon épisode est bien pourri. On va passer à vos commentaires. Donc un commentaire qui me dit « Salut Willy, j'ai un drone qui pourrait te servir. C'est un drone full automatique de minage. » Alors je l'ai vu. Je l'ai vu. Pour le moment, malheureusement, je peux pas me connecter à Steam parce que déjà, je suis en live pour commencer. Et Steam déconne. Il met 15 ans à m'envoyer un message pour que je puisse me connecter. Donc pour le coup, malheureusement, pour le moment, je peux... je ne peux pas me connecter. Mais c'est pas grave, ça viendra. Vous inquiétez pas, je vous le montrerai ce truc là. Et donc un autre commentaire, alors que j'ai pas trop compris, il me dit: j'ai vu le trailer de gameplay épique, comme il s'appelle. Cela a l'air mieux que Space Engineer, mais faudrait voir. Alors, ce jeu, je ne le connais pas, je l'ai même pas recherché pour ainsi dire. J'en sais rien du tout. Alors donc, très chers amis, vous voyez que j'ai modifié un petit peu mon truc. Alors, j'aurais bien aimé faire un truc du genre ça relie là et là et ça relie là et là. Malheureusement, Space NG étant un jeu assez limité quand même, ce n'est malheureusement pas possible. Donc du coup, on va laisser ça comme ça. C'est pas dramatique, hein, mais quand même. Pour le coup, on va laisser ça comme ça. Et donc là, pour le coup, j'ai pu mettre les piliers comme je le souhaitais. Donc voilà quoi. C'est pas un mineur qui mine à la verticale avec un traçage GPS? Alors là, j'en sais rien du tout, Guillaume, j'en sais que dalle. Alors là, actuellement, je suis en live, hein, pour ceux qui me demanderaient, vous avez l'habitude. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre donc le moteur, et donc un projecteur, et qu'on va essayer de faire tourner ça de façon à ce que ça fasse un espèce de phare. C'est pas garanti que ça fonctionne, mais sur un malentendu, ça peut marcher. Étant donné que j'y connais que dalle, ces trucs-là, je compte sur le chat pour m'aider un peu. Alors, hop... Bah alors pour le coup, je peux désactiver la lumière, il fait assez jour comme ça. Alors, pour ce qui est des composants, j'aurais besoin d'une 200 comme ça. Et là, j'ai pas de plaque d'acier, bien sûr. Pourquoi après tout avoir des plaques d'acier, hein, c'est ridicule. Hop, il m'en faut 199, histoire d'en avoir 200 piles. Magnifique. Tac, 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 tac. Hop, alors. Donc là, et... Là. Bah monte, connard, t'as ton coup. Ah putain, y'a... Bah bravo, y'a la fenêtre. Pas de panique. On va y avoir accès, mais pas à l'extérieur. Pas de panique. J'y avais pas pensé à celle-là. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Sors, Willy, sors. Monte, Willy, monte. Monte encore plus, Willy. Voilà! Non, sans déconner. Tada! Avec, c'est pas dur! Alors, bon, un petit peu de lumière s'impose parce que là, on y voit vraiment que dalle. Tac. Bon, les nanites vont venir me réparer. C'est très bien comme ça. Alors, donc, un moteur. Alors là, on va s'attaquer. Là, ça va être les épisodes où on va s'attaquer un petit peu à des trucs sensiblement plus techniques que ce que je fais d'habitude. A savoir que les moteurs, déjà. Je m'en sers jamais parce qu'ils sont buggés. Je prends quoi, un moteur ou un rotor? On prend le moteur. Alors, merci, connard. Donc, toi, tu te mets comme ça. Allez-y, Nelly, venez me construire ça, déjà. Ça, c'est bon. Ok. Alors, maintenant, est-ce que j'ai moyen d'y mettre un bloc? Oui, j'ai moyen d'y mettre un bloc, donc je pourrais y mettre un projo. Normalement, ça devrait bien se passer, ça. Tac, 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 tac.
Et moi qui écris projo comme un tocard. Hop, voilà. Alors, donc le projecteur, on va le mettre peu importe, comme ça. Les nanites, venez me le construire, vous êtes gentils, vous faites pas chier. Willy, dis-moi, as-tu déjà pensé à construire une amélioration de ta mémoire? J'y ai vaguement pensé, oui. Puis j'ai abandonné l'idée. Je vous dise. Alors, toc, on va mettre un panneau de contrôle. Hop, ce truc-là. Juste derrière. Comme ça, c'est intégré, ça se voit pas trop. Mais au moins, c'est là, ça me permet d'accéder au moteur, c'est parfait. Tac, 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 tac. Voilà, merci. Alors, donc, le moteur. Moteur, moteur 2. Bah, ça commence mal, j'ai qu'un seul moteur. Ah bah non, c'est vrai, j'ai le moteur d'en bas. Dans ce cas, ça doit être celui-là, je pense. Alors, safety détache 5 mètres, si tu le dis, c'est que c'est vrai. Donc là, on va le mettre moteur phare. Normalement, ça doit être lui, vu que c'est le dernier. Alors, donc, rotor lock. Non. Justement. Justement, je veux pas du tout qu'il soit lock. Couple de freinage, la vitesse. Ah bon, en fait, ça va, c'est pas dur. Et ben voilà. Bah voilà, en fait, c'est pas dur. Je croyais que c'était bien plus dur que ça. Attendez. Voilà. Si jamais j'ai fait. Juste pour le lol. Ah non, ça va encore, hein, ça tient. Hein. Ah, ça baisse, on dirait. Non, non, vas-y, remets ça à pleine puissance. Alors, déplacement du rotor. Permet de déplacer le rotor du moteur vers le haut ou vers le bas pour résoudre les problèmes d'alignement. Oh lol. Très bien, mettons ça là, peu importe. Ah d'accord, ça fait une espèce de... Ah, je savais pas ça. Ça, c'est intéressant. Bon, par contre, il est un peu rapide. Alors, attendez, est-ce que là, il va falloir choper le truc? Ah, putain, ça va déconner. Ah, c'est pas possible! Ah, voilà, je te tiens. Excusez-moi, c'est pas simple à faire, contrairement à ce qu'on croirait. Rajoute le clignotement, Willy. Le clignotement? Vous êtes sérieux? Ouais, je peux. Alors, bon, on va mettre ça à... On va mettre ça à 10. Quoique l'on dit, c'est un peu rapide. On va mettre ça à 5. 5 piles, j'ai dit. Alors, vous voulez le clignotement du projecteur? Si vous voulez. Alors, projecteur, projecteur. Merde, j'ai beaucoup de projecteurs, moi. Ça doit être celui-là, normalement. Ah non, c'est pas ça. C'est ça? C'est ça. Alors, donc le rayon, on va le mettre sur 160 mètres. L'intensité, on va la mettre à 5. Offset, on va mettre ça à max, histoire que ça éclaire bien, bien, bien. Oui, l'alignement, c'est pour quand tu fais une porte en garde de 40 cubes de long et que tu as 1 cm en trop de chaque côté. Ah, d'accord. Alors, intervalle de clignotement, je peux mettre ça à... Ben oui, c'est très bien comme ça, on va mettre ça à 2 secondes. Ça me plaît, moi. Voyons voir ce que ça donne de l'extérieur. Ce sera encore plus intéressant quand il fait nuit, mais... Malheureusement, je suis obligé de désactiver la nuit pour des raisons pratiques. On va se cacher du soleil un peu. Ah ouais, si, ça le fait, hein. Ah si si, ça le fait encore. Bon, par contre le clignotant il est un petit peu rapproché. Je vais essayer de faire en sorte que ça clignote mais genre longtemps. Un truc du genre quoi. Épileptique, c'est absolument... Bon, ça va encore. C'est pas dramatique. Alors donc le projo. Puff donc. Longueur de clignotement. On va mettre ça à 100%. Ça devrait s'éteindre un petit peu normalement, non?
Non, ça ne s'éteint pas. 50% alors? Intervalle de clignotement, je mets ça à 30. Non, bah non, faut que je mette ça. Peut-être une seconde. Ouais, c'est foireux, hein. Puis je veux dire, dans les phares. Dans les phares, dans la vraie vie, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment dire, de clignotement. Pourquoi est-ce que là, il y en aurait? Enfin, je veux dire. Merde, il y a des gens qui m'en foutent, moi, ça, à zéro, toi. Longueur de clignotement. Ah oui, là c'est vraiment. Ouais, d'accord. On va mettre ça à 75%. Ouais, comme ça encore, ça pourrait aller. Alors je vous rappelle que ce que je fais là, c'est un test. Hein. C'est un test en fait de. Comment dire. Pour voir si jamais le moteur, il se détache ou pas. Parce que oui, ça m'est arrivé en multi, donc à voir si ça arrive en solo. C'est la lentille du phare qui crée le clignotement. C'est pas faux, exactement. Bah, pour le coup, on va laisser ça comme ça. Bah, ça me paraît bien. Hop, bon. Voilà, mon phare, il est fait. Mon phare, il est fait en moins de 10 minutes. Ce qui est un exploit. Ouais, ça le fait, hein. Si, ça le fait. Moi, j'aime bien pour ma part. Et pourquoi tu poses pas le moteur au sol? Il tombera pas. Mais justement, justement, je le mets en hauteur, c'est pour voir si jamais ça tombe ou pas. Parce que ça m'est déjà arrivé en multi que, bah, que le moteur, enfin, que cette partie-là du moteur se détache de la partie donc, qui est attachée. Et donc, moi, en fait, c'est ça mon problème. Et donc, je veux voir si jamais c'est réellement réglé en multi ou pas, en solo ou pas. C'est pour ça, moi, que je fais ça comme ça. Tout simplement. C'est, y a pas, voilà, c'est juste ça, c'est tout. C'est en fait, c'est un test. C'est un test. C'est juste un test pour voir si jamais, si jamais ça fait chier ou pas. Ok, bon. Et bah, a priori, tout ceci m'a l'air d'être bien. C'est bon? C'est... Ouais, ok, ça fonctionne. Alors. Alors, attaquons-nous. J'avais dit que je le ferais pas, mais je le fais quand même, finalement. Attaquons-nous à la partie que je redoute. Les pistons. Oui, vous savez pourquoi je redoute cette partie. Vous le savez tous pourquoi. Hop, tout simplement parce que les pistons, j'ai pas confiance. Alors, ce que je vais faire déjà. Alors, c'est déjà les pistons, on va les poser pour commencer. Alors, attends, il est à l'envers, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, hop, essayons donc de faire en sorte déjà. Donc, Will cannot be placed. Je m'en bats les couilles des Will, ta gueule. Hop. Donc on dirait que ça a été fait pour. Sauf que là je peux pas. Putain, on dirait que ça a été fait. Non, limite, hein, c'est pas fait exprès. On dirait que c'est fait pour, que là je peux le mettre, mais je n'y arrive pas très certainement à cause de ces blocs là. Pas pourquoi je leur sens bien. Hop, et là ça marche ou ça marche pas? Là ça fonctionne pas non plus. Alors c'est peut-être à cause des blocs sur le côté. Putain, je vous jure, c'est extraordinaire ça. Vous imaginez un trou grand comme ça, tout ça pour un putain de piston. C'est quand même obscène. Et là. Ouais, si jamais le piston est à l'envers, évidemment, ça passe moins bien. Ah putain, je vous jure. Bon, les pistons sont placés. Alors là, là, on va sauvegarder souvent. Attention. Parce que là, les gars, là, je suis en train de jouer littéralement avec le feu. Ça me plaît pas tellement de jouer avec le feu, sachez-le. Voilà. Hop, et donc là, là je commence à avoir de l'urticaire, rien qu'à penser que je suis en train de faire ça, quoi. C'est... hop, et hop, ok. Ça, c'est fait.
On va me dire, il faudrait que tu construises un vaisseau essentiellement pour déplacer entièrement une base, ce serait fabuleux. Pour ma part, j'en vois pas tellement l'utilité. Hein. Je veux dire, j'ai mes vaisseaux pour me déplacer, c'est très bien comme ça, j'ai pas forcément besoin de plus. Enfin, pas à l'heure actuelle, tout du moins. Alors, ce que je vais faire, je vais y mettre un panneau de contrôle. Alors, non, c'est pas ça, c'est un panneau de commande. Hop. On va mettre un truc de Colt. Tiens, après tout, j'ai le mode. Pourquoi s'en priver? Commande console. Ok. Alors, un petit truc sympa qui fasse ni trop ni trop peu. Genre ça. Ou peut-être ça. Donc ça, c'est dans un coin, donc c'est mort. Et ça. Ça aussi, c'est pour aller dans un coin, donc c'est mort aussi. Il me faut plusieurs boutons. Donc là, on va prendre un truc commande normale. Pas le choix. Parce que ça. Bah non. Non, bah non, 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 non. Non, non, on va prendre un truc commande normale. On va pas se faire chier. Hop. Ah non, non, oui, merci quand même. Voilà. On va se faire. Alors non, pas là. Pas là, surtout pas là, parce que là, il y a une porte. Alors disons que. Je suis certain d'ailleurs, je suis absolument certain que la console, je la mets là, mais je vais forcément la niquer à un moment ou à un autre avec mes vaisseaux, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, ça tombe jamais, écoutez. Alors, premier truc à faire, on va attendre que ça soit construit. Tous les pistons, on va les prendre. Hop, hop, 2, 3, 4, 5, parfait. L'urticaire commence. Alors. Ça, c'est bon. Alors, on sauvegarde. Encore. Parce que oui, je déconne pas. Mais c'est quand même utile, non? Alors, ce serait utile en quoi de déplacer ma base, dis-moi? Je veux dire, ce serait utile absolument en rien. Surtout qu'en plus, là, je suis en train de faire un système de pistons. Alors, pour déplacer le système de pistons en lui-même, ça va être marrant, tiens. Rejoue le lab. oula. Oula, non, c'est bon, j'ai eu un lag, tout va bien. Alors, les pistons. On va se mettre comme ça. Moyen d'accéder là. Ouais, parce qu'en fait, je veux voir les deux. Alors, tac, 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 tac. Alors, donc, déjà, la vitesse. La vitesse, on va la mettre à 0,1. Ça, c'est le minimum. Il peut pas faire moins, c'est dommage. Distance minimale. Alors, là, normalement, je peux les faire remonter. Non? A priori, non, je ne peux pas. C'est un problème. Ça monte? Ça monte ou ça monte pas? Ça monte, très lentement, mais ça monte. Hourra! On sauvegarde. Salut du Villard! Ça monte? Ça monte lentement? Dis-moi que ça fait rien péter. Dis-moi que ça fait rien péter. Dis-moi que ça fait rien péter. Non, ça va, ça a l'air de passer. Bon, tout va bien. Alors, essayons de régler la distance minimale, déjà, avant même de faire quoi que ce soit. Hop, pourquoi je me fais chier à faire ça là alors qu'ils sont là. La distance minimale, hop, on va essayer de la mettre à 1 mètre. C'est en fait, j'aimerais que ce soit pile au bord, quoi. Il se passe quoi? Le Willy qui essaye de paramétrer les pistons. Attention. Fun garanti. A priori, cette partie-là a l'air de passer dans le bloc, quand même. Serait peut-être intéressant que ce soit un peu plus rapide, cela dit. Willy fait sauter sa base avec un piston. Ah, j'en ai pas qu'un, malheureusement, j'en ai cinq. Ah, ok. Hop, donc 1 mètre, c'est pas suffisant. Toc. Mettre ça sur, je sais pas, peut-être 2 mètres 5. Bon, on va augmenter un peu la vitesse, faut quand même pas déconner. Ah, ça monte vite! Quelle horreur. Vite, vite, vite. Non, 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 avant que ça atteigne l'autre étage. S'il te plaît. Je crois que je vais paramétrer les boutons, ce sera plus simple en fait.
Eh, sans déconner, je pouvais pas espérer mieux, en fait. Là, c'est réellement pile ce qu'il faut. Alors, on va paramétrer les boutons, hein. Donc, les pistons. Hop, alors. Donc, toi, ça va être désactivé on-off. Toi, ça va être inversé. Puis, je pense que c'est tout, en fait, hein. Après, diminuer la vitesse, tout ça, non, ça on s'en fout. Non, alors attends, toi pour le coup, hop, tu vas te mettre ici en mode inversé on-off. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. Alors déjà, là, je pense qu'il est à la bonne hauteur. Maintenant, il faudrait que j'arrive à l'arrêter. Parce que j'ai quand même monté sur 50 mètres à peu près. Combien je veux compter d'énergie, ta gueule. Il faudrait quand même que j'arrive à l'arrêter pile ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre un autre panneau de commande juste ici. Alors là, faut que je fasse gaffe parce que j'ai tout plein de trucs à côté. Passe un bloc sur le piston quand on rigole. Non! Jamais! Jamais! Je peux pas passer le bloc sur le piston, c'est pas possible. Non, et sincèrement, je déconne pas. Hein. Si jamais j'ai le malheur de poser ne serait-ce qu'un bloc carré comme ça, la totalité de ma base, elle explose. Et j'ai pas envie de refaire un chargement de sauvegarde. Donc voilà, alors. Ripouli s'est cassé la gueule d'un étage. C'est pas grave, ce sont les choses qui arrivent. Où est-ce que je suis mort? Ah, juste en dessous. Non, barrez-vous, les nanites. Non, oh, putain. Barrez-vous, j'ai dit. Là, parfait. Ça tombe bien parce que j'ai presque plus d'hydrogène en plus. Ou d'oxygène, peu importe. Là. Et ça tombe bien parce qu'en plus j'avais plus d'énergie. Donc, tant qu'à faire, l'amour nul. Bah ouais, c'est ça, mais bon, il en faut. Hein. C'est comme tout, il faut des morts sympas et des morts nuls. Alors. Hop. Bon, on n'y voit rien, je suis d'accord. On y mettra de la lumière un peu plus tard. Parce que là, oui, là, il n'y a clairement pas de fenêtre, là. C'est la violence. Alors, donc. Alors oui, moi, je voulais voir où est-ce qu'était placé l'autre bloc de commande. De toute façon, parce que j'ai pas besoin de me retourner comme un tocard. Le bloc de commande est placé ici. Ah. Monte, connard. Monte, connard. Monte à fork juste sur le truc. On ne panique pas, Woody. On ne panique pas. Voilà, amuse-toi. Alors donc. Un bloc de commande, disais-je. De cette couleur-là. Tu mets ça ici. Construis. Et mine-toi, j'ai pas que ça à foutre. Vous la voyez, la lumière, quand même, qui est bien puissante au rez-de-chaussée. Hop, alors, on va s'en prendre un deuxième ici. Piston. Alors. Allez, grimpe, mon gars, grimpe. On va sauvegarder avant quand même parce que je suis pas sûr. Hein. Clairement pas. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer ça viteuf. S'activer le bloc on-off et inverser. Voilà, comme ça au moins je suis tranquille. Tu grimpes, connard? Bah, il grimpe pas ce trou de balle. Bah alors. Pourquoi il grimpe pas? Bah. Tous les autres pistons, vous êtes pas censés grimper avec lui? Attendez, attendez, attendez. Un piston 5, c'est donc ça, c'est le dernier. Normalement. Ok, le piston simple ne répond pas à mes commandes. Y a que celui-là qui se rétracte et pas les autres. C'est une blague?
C'est juste une vanne en fait, c'est tout. C'est... Ouais, c'est ça, ouais. Ok. pas de panique, si je puis dire. On sauvegarde. Parce qu'on est pas à la rue d'une connerie. Ah oui, mais là pour le coup, il faut que j'aille au fond, ça va pas être évident. Ça. Ça a même pas été évident du tout d'ailleurs. Putain, je suis coincé. Non. Laissez-moi sortir! Merci. Ok, piston, tentative numéro 2. Ah! Nom de Dieu, ça se casse la gueule sur moi ça. Bon, rien à foutre, les nanites viendront tout chercher. Ah ouais, ouais, on sait. La gueule, j'ai dit, on sait. Oui, 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 ta gueule, j'ai dit. Bon, ils sont désactivés les pistons. Non, 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 les pistons étaient activés, c'est simplement en fait qu'ils sont en contact avec ça, et donc pour le coup, ça fonctionne pas. Quand même dingue, ça. Quand on y pense. Alors, je sais comment régler le problème, rassurez-vous. Il faut juste que je creuse un peu plus. Hop. Très bien. Oui, c'est ramasser la gueule comme une merde, c'est pas grave, ce sont les choses qui arrivent. Merde, je pensais que ça ferait tout sauter, mais ça a pas marché. Bah, je suis chanceux, faut croire. Que je te dise. C'est bon, je suis au fond? Je suis au fond. Parfait. Alors. Pour pas que ce soit en contact. On va y mettre des simples demi-blocs. Hop, et donc là, on va y mettre un bloc plein. Hop. Avec un autre bloc plein ici, quand les nanites auront fini de te récupérer. Parce qu'il n'a pas l'air d'être pour tout de suite, donc on va peut-être les aider un petit peu. Il y a des jours comme ça où moi-même je dois aider une élite. Ça me plaît pas. Pas du tout même, mais bon. Ah non, c'est pas ce côté-là, c'est ce côté-là. Hop. Voilà. Voilà, bon. Et donc, un autre truc ici. Voilà, comme ça je suis toujours au-dessus, c'est parfait. Alors, donc pour ce qui est des pistons. J'ai mal à la gorge d'un coup. Vous avez vu aussi que c'était trop beau pour marcher du premier coup. Bah alors. Tu le mets quand tu veux, connard, hein. Merci. Oh, oh. Il est casse-cou, ce jeu. Alors, attendez. Pourquoi là, toi, tu veux pas? On pourrait m'expliquer un jour pourquoi ou pas là. Tout est construit, les trois autres ont bien voulu se mettre. Ça te dirait pas un jour toi de me mettre là? Genre je sais pas que je puisse descendre. Là, les trois autres ont bien voulu se mettre. On est bien d'accord, hein. Non mais je. Ah oui, voici. Ouais, ça va, connard, on a compris. Et le cinquième alors, non? Non, t'as décidé que comme ça, il devait pas se mettre, c'est ça? Ah oui, c'est parce qu'il est à l'envers. Le dernier se met à l'envers pour une raison qui m'obscure.
Mais là, il veut quand même pas, hein. Oh! Mais il se fout de ma gueule, ce truc, c'est pas possible. On va sauvegarder. Quoique, je me dis que peut-être qu'avec 3, je peux monter jusqu'en haut. On va sauvegarder, hein. On n'est pas à l'abri d'une connerie. Voilà. Piston, 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 piston 6. Magnifique. Hop. Inverse-moi tout. Est-ce que je peux monter jusqu'en haut? Ça, c'est la grande question. Si je peux monter jusqu'en haut, ça me va, hein, sur le nombre de pistons. C'est bon, ça explose pas? Ça explose pas. Je vais peut-être monter un peu trop haut là en fait, non? Non! Je monte jusqu'ici. Bah écoutez, j'ai envie de dire c'est parfait. C'est parfait, je sais même pas pourquoi en fait j'ai voulu monter jusque-là. Parce que là, en fait, je m'en bats les couilles, littéralement. Non, bah non, 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 bah non, c'est bon. Voilà, bon, tu vas pas me poser l'autre piston, je t'emmerde. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Hop. Manque un piston. Non, non, c'est bon, on va monter jusqu'ici, ce sera très bien. On va pas chercher à contrarier Space NG, hein, déjà bien assez contrariant comme ça. Hop, ok. Alors. Donc. Là, pour le coup, je peux y mettre un tableau de commande. Hop, ce truc-là. Non, connard. Viens ici, j'ai dit. Voilà. Je vais te mettre. Admettons là. Voilà. Hop. Donc, les boutons. Gérer les actions. Alors, déjà, attends, faut que je fasse le groupe de pistons pour commencer. Hop. On sauvegarde. Donc. Distance maximale. On va essayer de la réduire un tout petit peu. Normalement, ça devrait se baisser, non? Mais non, mais qu'est-ce que je... Pourquoi je copie le lien de mon live? Je suis trop con, moi. Piston. Ça va pas se baisser normalement? Non? Non, tu veux pas? Non, t'en as absolument rien à péter, c'est ça? On va se mettre ça à 9 mètres. Ça va monter moins haut normalement. Voilà, ouais, ça monte là. Donc. Essayons de gérer ça par palier, je vous prie. Tu devrais renommer ta base. Ma base est renommée. Elle est renommée en base martienne. Tac. Oh! Ah bah ça me suit. Oh bah c'est magnifique ça. Alors, comme ça je vais pouvoir voir un petit peu. Quel est le meilleur taux de pénétration? Non, j'ai encore trop bas. M 7, c'est bien. Non, encore trop bas. Hop. M 8, peut-être. C'est mieux. C'est mieux, mais c'est pas encore assez haut. Il faut du 9m9. Bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Tac. Oula. Je suis bon là? Non, je suis pas bon. Alors, faut vraiment le paramétrer au poil de couille, quoi. C'est qu'on va se mettre là. Voilà, comme ça je les vois. Et donc on va essayer de paramétrer ça comme il faut. Alors. Alors
9,8, ça va pas. C'est pas assez haut. 9,81. Non, pas encore. Je vais essayer de faire ça bien quand même, hein, tant qu'à faire. Hop, qu'on me reproche pas d'avoir fait ça comme un sagouin. Ah, ça m'a l'air d'être bien. Ta base s'appelle Static Base. Ah bon? Il me semblait l'avoir renommé cette foutue base, non? Info. Ah oui, effectivement. Attendez, excusez-moi, je refais ça tout de suite. Là. Ok. Mes excuses, il me semblait l'avoir fait. Hop. Non, c'est pas... On sent la fois où je passe dessus, en fait. Vous voyez que ça fait une petite saccade de merde. Et moi, j'aime pas ça. Hop. Les pistons. Ça a augmenté un tout petit peu, mais c'est pas totalement ça. Hein. T'as mieux là? Non, on sent toujours la petite saccade, ça va pas du tout cette histoire. Hop. Ah, c'est un peu trop haut là, je pense. Non? Ah, bah non, c'est parfait. C'est parfait, c'est sublime! Les modes de clean n'aiment pas ça. Ah mais le mode de clean je ne l'ai pas, hein. Je l'ai désinstallé parce qu'il me faisait bugger mes projections. Tac, alors. Donc, les pistons. Là. Donc toi, tu vas te mettre en inversé. Non, alors attends, non, c'est pas ça, faut que je fasse ça bien quand même. Toi, tu vas te mettre en désactivé. Quoique, non. Non, non, toi tu peux juste te mettre en inversé parce que de toute façon tu pourras pas aller plus haut normalement. Techniquement. Hop, voilà. Voilà, donc là j'ai mon ascenseur. Alors maintenant, faut que je trouve un moyen pour que l'ascenseur s'arrête à cet étage-là. Et il faut aussi que je le paramètre pour qu'il monte jusqu'en haut. Mais ça on le fera après. Alors, le moyen que j'aurai éventuellement. Ce serait d'y mettre un... Ce serait d'y mettre un truc de colt, en fait. J'y avais déjà pensé à ça, mais... ça me plaît moyennement, ce genre de choses. C'est quoi, c'est lui, non? Mais moyennement, ce genre de choses... Parce que là, vous voyez, là, il est là. Il est pile, bien comme il faut. Je peux le mettre en... Je peux le mettre en on-off. C'est pas... Pas dramatique, je veux dire, c'est possible, ça peut se faire. Voilà. Hop. Groupe. Piston. En fait, il m'en faudrait deux. Parce que d'un côté, inversé. Mais d'un autre côté, on-off. Quoique. Quoique, non, je peux juste le mettre en inversé. Ouh là 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 là. Vous voyez à quel point ça bouge? Je sais pas si vous voyez l'ombre en fait, à quel point c'est pas stable. Clairement pas. Hein. Mais là, normalement, ça monte sans problème. Je veux dire, ça passe quoi. Hop, ouais, c'est bon ça. Voilà, et donc là, une fois arrivé à cet étage-là, hop, je fais ça. Ah bah non, pour le coup, c'est on-off. Hop, enfin vous voyez, je peux descendre si je le souhaite. Bon, ça le fait. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Du coup, j'avais déjà mis un truc ici, mais ça c'était pour les nanites. Donc, ce que je vais faire, ça va être très simple. Hop, toi. Toi, je vais te... Hop, le bouton 1, ça va être piston. Inversé, voilà. Donc toi, hop, on va mettre ça là. Et là, si je mets ça là, je tombe... Ouais, c'est ça, je tombe sur la porte, bien entendu. Il faut que je mette ça là. Il faut que je mette ça là. Ah! Calme-toi, 30 secondes, t'es gentil, tu fais pas chier. Alors, hop, donc... Toi, je peux te... Non, alors là, ça va être un tableau de commande qu'il faudra que je mette. Pas avoir le choix.
Hop, comme ça, j'ai un peu besoin d'utiliser de jetpack ici. Et ça, c'est bien. Ça fasse comme la grande porte de la Terre. Bah, j'espère pas, sincèrement. Salut, tu peux gérer un piston par étage. Ça risque de pas être trop possible, ça. Parce que je lui demande de s'arrêter au truc, ça va être la merde. Salut Clearock, oui, au passage, excuse-moi, je t'ai pas dit. Ça risque d'être assez délicat. D'assez extrêmement délicat. Non, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça comme ça. On va faire un truc tout simple. Hop, voilà. Alors, tableau de commande. Hop, on s'en fout. Le bouton 1. Toc. Le groupe. Le piston, tu le mets en inversé seulement, vu que là, il ne pourra pas monter plus haut que ça. Normalement, je précise. D'ailleurs, non. Attendez, on va voir si je peux pas prendre un truc de Colt. Pour le coup, un seul bouton, ça, ça peut se gérer avec Colt. Normalement. Donc. On va prendre ça. On va prendre ça. Et je crois que c'est les deux seuls, en fait. Ouais, voilà. Vous voyez, je peux le mettre juste ici, celui-là. Ce qui me convient parfaitement. Hop, voilà, toi, tu dégages. Et donc, c'est le 8. Parfait. Magnifique. Hop, et donc, toi... groupe inversé, toc, ici, voilà, comme ça toi tu descendras, tu n'auras pas le choix. Alors toi par contre, le truc qui va être gênant en fait, c'est que tu vas monter, mais je pourrais pas t'arrêter comme je le souhaite. On paraît combien que son ascenseur il s'en servira genre deux fois. Bah non, je le fais c'est pour m'en servir, c'est aussi parce que vous me l'avez demandé. Bande de sagouin. Là, il va me falloir un panneau de commande, par contre. Voilà. Hop. Oh, bonjour, Hagen, au passage, excuse-moi, je t'ai pas dit. Allez, mine-toi, je boxe à foutre. C'est bon, tu te dépêches? Merci. Ok, bon, alors. Toi. Alors, toi, je vais te mettre... ici, en inversé, et là, en on-off, voilà. La raison est simple, ça va être un truc tout con, hein, mais... Alors, il y a des chances que je rate mon truc, mais... Ça va être en fait que, quand je vais monter... Alors, je monterai peut-être un petit peu plus lentement pour avoir accès au bouton, hein, mais... Hop. Voilà, je monte, et donc, pof. Et voilà, je suis à mon étage. Alors, j'ai manqué de le rater le bouton, je tiens à dire. C'est pas... C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple comme système. Vraiment. Mais je pouvais avoir un truc un peu mieux, je le ferais. Mais malheureusement... Non, descends... Putain. Descends, connard. Voilà. Possible, ça. Allez, il faudrait que je trouve un moyen, en fait, pour qu'il s'arrête à cet étage. Mais quand je le souhaite, en fait. Donc, c'est un peu... Voilà, quoi. C'est... Ah, je sais pas. Si jamais vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas. Quoique aussi, peut-être des scripts. Si jamais vous avez un script qui me permettrait de m'arrêter à un étage bien précis. Éventuellement, je suis preneur. Mais pour ma part, je suis pas très fan des scripts. Surtout pour gérer un piston. Enfin bref, moi j'espère, très chers amis, que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Jusqu'ici, portez-vous bien et à la prochaine.